Alors que les Allemands commencent à se mettre sur la défensive, c'est ce 3 janvier que les Alliés démarrent leur contre-offensive. Les soldats du 13e bataillon parachutiste de la 6e British Airborne s'apprêtent à attaquer le village de Bure, occupé par les Allemands. Une grande partie de la population du village est alors réfugiée dans les caves du collège. Le soir, on avait des pommes de terre avec des oignons. Là, on avait droit, comme je vous ai dit, avec une petite assiette. Là, on avait chacun sa petite portion. Oui. Et le matin, on avait des tartines. Oui. Oui. On avait faim. Chaque jour, Germaine Robe essaye de remonter au village pour soigner les animaux de la ferme. Ce 3 janvier, les Allemands renvoient la jeune femme vers le collège. Ceux qui étaient au clocher, qui nous ont dit, allez vite, retourne au collège, parce que les Allemands, oui, à la route de Telin, les Anglais arrivent. Alors on avait lâché les seaux, on en a mangé au bite, on était redescendu, et puis on avait remonté après, achevé sa petite besogne à la ferme, oui. Pendant 3 jours, le village de Bure va être le théâtre de violents combats. Très violents. C'était même de maison en maison, des maisons prises et reprises par les Allemands. Combat au couteau, c'était des paras, il ne faut pas oublier. Donc la nuit les paras sortaient leurs couteaux, ils éliminaient les Allemands sans bruit, j'allais dire. Il faut aussi parler, quand on évoque Bure, il faut parler aussi des SAS. SAS Belge Special Air Service, qui était commandé par le colonel Blondel, qui, eux, servaient d'unité de reconnaissance en appui de la 6e Airborne. Ils partaient maison par maison, ils prenaient, ils avançaient. Les Allemands prenaient le village, les Anglais venaient le lendemain, où c'est toujours ainsi. C'est un chassé-croisé. Hein. Il y a eu tellement de mouvements, on ne savait jamais à qui on avait affaire. Quand on entendait du bruit de nouveau qui arrivait dans la maison, il fallait les voir avant de savoir si c'était des Anglais ou des Allemands. Pleine bataille de Bure, dans les caves du collège, Odile Damblon, une jeune femme de 23 ans, donne naissance à un petit garçon. J'ai eu mon petit le 4 janvier, là, dans les caves, sans lumière, avec une bougie sur un tonneau. Parce que j'étais dans une cave où il y avait les pères, c'était des pères, alors, qui revenaient réciter leur bréviaire, là. Et puis, il avait mis un matelas sur des pommes de terre. Moi, il m'avait quand même descendu un lit et tout. Hein. Ça pourrait être bien, j'étais bien soignée, c'est vrai. Albert Pigeon remontait du collège lorsqu'il s'est retrouvé en plein milieu de tirs d'artillerie. J'étais descendu dire bonjour aux connaissances là-bas, et alors à un moment donné, je vais remonter. Et au moment où j'arrivais, disons, à 100 mètres de la maison, les tirs d'artillerie ont recommencé et les obus ont commencé à tomber un peu partout, quoi. Je me suis abrité pendant près de la pompe qui est en face pendant quelques temps. Et puis quand ça s'est un peu calmé, j'étais à peine rentré à la maison que ça recommençait à tomber.
Au cours de ces 3 jours de combat, les Britanniques vont subir de lourdes pertes. Il y avait énormément de neige et on en a retrouvé, je dirais, des semaines après qu'on a encore retrouvé des cadavres. Hein. Un peu partout. Une fois le village aux mains des Anglais, ceux-ci prennent soin du bébé de Odile d'Amblon. Mon petit avait de la fièvre. Les Anglais sont arrivés. Et alors tout de suite, ils sont venus et on a dit on ne peut pas rester là avec l'hôpital Wellen. Wellen qui disait. Et alors, ils m'ont conduit dans un jeep civière chez M. Lardinois à ce moment-là, une grosse maison, c'était secrétaire. Et j'étais toute seule dans une place aussi grande que mes 2 places ici. Et j'étais toute seule au milieu et il avait pris le petit pour aller le visiter, l'examiner dans la cuisine. Et ils ont vu qu'il me donnait des médicaments, je sais pas, moi ils m'ont apporté du lait chaud. Et à ce moment-là, on a amené des blessés, c'était terrible. Il n'y avait plus qu'un bras et on leur mettait une cigarette en bouche. Encore ceux qui étaient malheureux. J'en ai vu tout autour de moi, je n'étais entourée que de malheureux. La maison de Marcel Lafineur subit les conséquences des combats. Un char anglais se trouvait devant, alors il y a un char allemand qui était à 300-400 mètres, et quand j'étais donné un obus en plein dans le char, et le char a explosé, a sauté, et il a fui au bâtiment, 4 bâtiments. Comment était possible que des humains se fassent ce massacre entre eux comme ça? Comment c'est possible? J'étais à l'armée, heureusement, j'étais chez la pilule. Je soignais les gens plutôt que de les... Je n'aurais pas pu. Il y a moyen même de se défendre, même sans tuer les gens. C'est vraiment la dernière chose que des humains puissent se tuer entre eux. On se demandait comment c'est possible et pourquoi, qui a le droit. Les mouvements de troupes sont difficilement compréhensibles pour nous. Les Américains tentent de nous convaincre que la victoire se dessine lentement, que les Anglais sont les atouts de ce succès. Quand on regarde autour de nous, il est très difficile, sinon impossible, d'imaginer que ce décor dantesque va servir à fêter une victoire. La victoire est-elle à ce prix? J'apprends que Patton arrive à Bastogne, alors que les Allemands nous arrosent copieusement. La vie, si on peut nommer notre existence ainsi, continue. Les problèmes d'hygiène réapparaissent d'une manière aiguë. Promiscuité, contamination sont monnaie courante. Les vivres et les moyens d'éclairage diminuent. Il faut s'éclairer avec parcimonie. À partir de 17h, nous vivons pratiquement dans le noir. Au centre, les jours se suivent et hélas, se ressemblent. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Quelques-uns ont perdu leurs parents, ou du moins ne savent pas où ils sont. À l'hôpital militaire, les soldats arrivent de plus en plus souvent trop tard. J'ai l'impression de travailler au terminus de la vie. Je n'ai pas entrepris les études d'infirmière pour vivre ça. Ma vocation vient-elle de mon prénom, comme le prétend ma mère? Elisabeth, comme la reine sur le front de l'Isère. Si elle aime à le croire, c'est pareil pour moi. Je baragouine l'anglais assez pour tenir une conversation avec les soldats blessés. Je reçois beaucoup de messages à faire parvenir aux familles. Je garde chaque lettre précieusement, consciente de l'importance de chacune d'elles. Rien que pour cette raison, je retrouve un peu de vigueur. Et si cette victoire n'était pas une utopie ?